Salut Mario, ça va? Oui, toi? Oui, Mohamed fait dire qu'il va être en retard d'une heure ou deux. Ah, il s'est pas levé? Non, mais il accompagnait Mahmoud pour son examen médical. Ah, OK, pas de problème. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon bureau. T'as pas le droit. Arrête-moi pour voir. Les notes des élèves, éducation physique, Claudia l'éveillé. Qu'est-ce que t'as fait, donc? D'après toi, j'ai fait quoi? 78. T'as corrigé sa note. Oui, madame. Mais tu vas tout mêler les fichiers élèves. J'ai tout corrigé partout. Oh, mais t'as pas le droit de faire ça, c'est de l'intrusion. C'est qui est le patron d'autre ici, toi ou moi? C'est pas une question d'autorité, c'est une question de tâche. T'as pas le droit d'exécuter la tâche d'un employé syndiqué, à moins qu'on soit en grève ou en situation d'urgence. C'est ce qu'on a. Une situation d'urgence. Pour 14 points en éducation physique. Louise Pouliot m'a téléphoné hier soir. Claudia veut décrocher. Des menaces. T'as gobé ça, toi. Ça m'a fait de quoi pareil? Ben, normal. Je devrais essayer d'y reparler. Regarde, si lui m'en parle, moi le frère. Non, non, va au-devant. Là, tu regrettes-tu? Je sais pas trop. T'as bien fait, là. Fallait crever de la ficelle. Pierre-Paul, il est assez vieux. T'attends qu'il le sache. Je pensais pas qu'il était sensible de même. Mais je savais, là, mais pas à ce point-là. Il est allé voir Rosemary. Pourquoi tu me l'as pas dit hier? Ben, tu dormais, là. Je voulais pas te stresser avec ça, là. Ça m'allait. Non, au contraire. Il a offert d'être sa moraine d'adoption. Allô? Ben, avec les doigts, toi. Hey, mais ils sont propres, là, je sors de la douche. Merci, maman. Hey, je savais pas que c'était le fun de même, la bio. Ah, c'est un de tes cours complémentaires? Ouais, c'est intéressant. Surtout quand ta blonde est en médecine. Poisson frais! Aïe, aïe! Enlevez vos manteaux, installez-vous. On s'est levé un petit peu marabout ce matin. Oh, est-ce que je t'ai manqué tant que ça, hein? Ah, non. Devant ta femme, hein? Devant, c'est pas grave. C'est dans le dos qu'on veut pas. Alors, marabout psychologique ou marabout physiologique, là? Si ça nous regarde pas, tu nous le dis. Bon, vous le savez, c'est Véronique Gagnon. Quoi encore? Elle fait une fixation sur moi. Après m'avoir soupçonné de vouloir lui piquer son chat, elle m'a proposé de le partager. Sans doute un piège. Ah oui, c'est sûr. Là, depuis ce temps-là, les grosses faces de cochon, les airs bêtes, les allusions. Non, non, c'est pas drôle, c'est pas le fun du tout. Tu sais, le dialogue? Mais je viens de te le dire. Tu sais, mon amour. Le couple, c'est pas comme le soccer. C'est beaucoup plus compliqué. T'sais, le coach est pas mal plus important. Il me dit ça parce qu'un jour, je l'ai rassuré sur ses capacités. T'es pas fin. Je fais de l'humour. La connais-tu, Claudia? Comme tout le monde. Est-ce que t'étais là, toi, quand on l'a accueillie ici pour la première fois? Oui. Est-ce que tu trouves qu'elle fait des progrès? Absolument. Est-ce que tu penses qu'on va dans le bon sens? Oui, mais pourquoi tu me poses cette question-là, là? Si tu penses ça, pourquoi tu essaies de bousiller notre travail avec ton entêtement bureaucratique? Mon entêtement bureaucratique? Oui, ton entêtement bureaucratique. Ta rigidité de fonctionnaire, ta plate incompréhension de l'importance que cette note-là signifie pour elle. Je le sais que c'est pas si terrible que ça dans ce cursus 64 au lieu de 78. Surtout si l'enseignant compense l'erreur par la suite. Bon, au moins tu l'admets. Vas-tu promener ton chien dans les voies? Tu parles d'une drôle de question. Vas-tu le promener? Mais naturellement, comme tout le monde. Mais il arrive quoi si tu le fais pas? Il va faire pipi sur le tapis. Quand tu l'as mis propre, ton petit pitou, là, tu faisais quoi? Mais je l'habituais, mais t'es sûr que ça va bien, toi? Quand tu as fait pipi sur le plancher, tu le grondais le lendemain ou tout de suite après? Ah ouais, réponds! Ben, tout de suite après, mais je vois pas le rapport avec Claudia. 9-1, cœur en détresse. Ouais, salut. Je t'ai pas vu. Ben, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Oh, c'est pas ce que tu penses. Eh oui, c'est ce que je pense. Une histoire de fille. Ça paraît tant que ça. T'es trop faible, mon vieux. Tu te laisses aller. Ça paraît tant que ça. C'est laquelle, là? La mienne. Véro? Elle me paraît plutôt bien. Jolie, sexy, portée sur la chose. Puis maintenant? Ah, dommage. Effectivement, ça, ça change tout. Non, là encore, là, mais elle me punit. Quelle violence. Faut même un goût de rire, mon Dieu. Désolé. Je peux m'en occuper, si tu veux. Je la saute. Elle se sent coupable. Elle se replace. Quand est-ce qu'on va revoir la belle Laurence? Elle va sûrement venir faire un tour bientôt. Hein, t'en vas rentrer. D'après toi. Hey, c'est pas juste. Je sais, mais elle veut rien savoir, ma folle. Hey,
De qui qu'on parle mal encore, là? La secrétaire du Dic, là, tu sais, sa sœur. Elle a eu 78, pas 64, c'est pas juste. Elle vous réveille Annabelle? Elle est dans sa douche. Ça va être long. Notre famille, là, c'est comme le Canada. C'est une union basée sur le consensus de la communauté d'intérêt. Ah, t'es profond, ma tête, toi? Oui, c'est le Québec. On l'aime, elle est fine. Elle veut toujours faire à sa tête. Moi, je suis l'Ontario. À cause, tu fais semblant que c'est toi qui décides de tout? Puis moi, je suis quoi? Toi, t'es l'Alberta. T'es indépendante, puis tu fais suer tout le monde. Ah, moi, je suis la Colombie-Britannique. Toujours belle, naturelle, modérée. Hey, je sais. Annabelle est quoi? Newfie. Toi, si tu dis ça, là, tu vas avoir affaire à moi. Non, c'est pas moi qui fais de la politique, là. C'est lui. C'est juste toi. Oui, juste moi. Ouais. Jalouse juste de toi. Oh, c'est vrai, elle m'en parle pas, moi. Mon amour, elle peut pas. Pourquoi je suis laide? Mais non, mais t'es magnifique. Mais ton homme est tellement plus attirant que le sien. Qu'est-ce que tu gagnerais? Non, mais c'est vrai. Tu dois pas être la seule à souffrir de sa jalousie, hein? C'est comme un message qui se passe ici, non? Hein? On dirait. Ben oui, il y a eu Martine, mais pourquoi? Ben hier soir, au parloir. Plus en plus passionnant. Ben voyons, je suis allée avec les gars de la section pour souper parce que Hercule entraînait l'équipe de soccer. Floyd, non. Martine est de là, elle mange avec lui. Avec Stéphane? Tadam! Non, non, mais je peux tout t'expliquer. C'est pas moi, là. Je veux dire, c'est pas de ma faute. Mon offre est sérieuse, là. Gratuite en plus. Je te charge rien. Je l'aime. Dans ce cas-là, c'est pas mon rayon, là. Moi, je suis spécialisé baise, pas affection. Non, je l'aime, Véro, même si tout nous sépare. C'est pathétique. La femme qui me conviendrait vraiment, c'est Virginie. Grosse nouvelle. Elle convient à tout le monde, celle-là. Non, de toute façon, regarde, elle s'intéresse pas à moi, là, elle voudra jamais. Sois patient. Écoute, il faut que je fasse quelque chose, sinon on va me tuer. OK, Véro me domine totalement. Ce que j'entends là, c'est un malade qui est sur la voie de la guérison. Les dresseurs de chiens, est-ce qu'ils donnent le sucre 3 semaines après que le chien a exécuté ce qui a été demandé? Ah, OK, je comprends. Pour toi, Claudia, c'est un chien, elle n'est pas capable de comprendre. Chien ou humain, on a tous besoin de récompenses quand on fait un bon coup. Claudia, qui a jamais été férue d'éducation physique, se retrouve soudainement avec 78 dans une discipline. Toi, tu fais quoi? Tu tombes, tu y mets sur les gattes. OK, OK, j'ai compris. Sûr? Oui. Mais ça n'empêche pas que mon travail consiste à assurer l'intégrité de nos systèmes et de nos politiques. Ton travail consiste à soutenir nos efforts pour aider ces jeunes-là à obtenir un diplôme. Les institutions qui placent la bureaucratie avant l'humain, ça vaut pas de la merde. De la merde? Là, franchement, tu y vas fort, là. De la merde! Oui pour les politiques, oui pour les systèmes, mais après les élèves, après les parents, après les enseignants. Si t'es pas d'accord avec ça, pars donc tout de suite, Compostelle. Sais-tu quoi? Reste-y donc! Un site de rencontre? Ah, Dieu du ciel! Tu m'as pas entendu entrer, t'avais l'air tellement concentré. C'est ça, un site de rencontre? Non. Tentation.ca, c'est sûrement pas un site de lieu historique. Justement, oui. T'as pas un chum, toi? T'es toute rouge. T'as honte? Non, pas du tout. Tu bafouilles. Non, c'est vous. C'est toi qui insinue que la queue des... que je recherche un homme sur la massie, sur le site. Le site de rencontre, c'est ce que tu faisais? Non! Mais quoi d'abord? T'étais là, je t'ai vu. J'étudie. J'analyse la structure pour m'en inspirer pour celui de ma classe. J'en parlerai pas, là. Je suis pas bavard. Une tombe. Si tu vois Martine, là, peux-tu lui dire que je veux la voir? Merci. C'est bien que c'est des foleries de filles de 16 ans, là. Et de gars, c'est l'idée de Moulero. J'irais pas ça, moi, un beau mariage. Africain, en plus, ça doit être quelque chose. T'as le goût de faire des farces avec ça, toi? Mais c'est pas si grave que ça. Tu peux rire un petit peu. Ouais, puis 64 au lieu de 78 non plus, c'est pas grave. Pas rapport. Mais en qu'il y a rapport, si c'est important de soutenir Claudia dans ses efforts en nous assurant qu'elle aille sa bonne note tout de suite, assez important que t'appelles toi-même Rivet pour y en parler, comme d'habitude en passant par-dessus moi, ça doit être au moins aussi important de pas laisser Annabelle s'enfoncer dans un rêve qui a pas de maudit bon sens. Dans ce sens-là. On va appeler les parents du petit gars, là. Ah ouais, tu penses? Ouais, oui, on va y rencontrer, là, pour s'expliquer. Oh, Annabelle, elle voudra pas, elle va même trop honte. Écoute donc, c'est qui décide? Elle ou nous autres? C'est qui le père? C'est qui la mère? Hey, qu'est-ce? C'est une crotte. Bon, on pourrait faire un souper ici, toute la famille. Avec les Béniniens? Béninois, qu'on dit. Béninois. Quoi?
Je peux? Ben viens. Qu'est-ce que tu veux? Te demander pardon. J'ai compris ce que tu voulais dire. Je vais aller voir Claudia, puis je vais m'excuser. Non, fais pas ça. T'as pas confiance? Non, j'ai juste peur que t'en rajoutes en essayant de te justifier. J'ai dit des excuses, pas des justifications. Tu le promets? Promis. Ben, c'est bon. Merci. Le pensais-tu vraiment? Souhaitais-tu vraiment que je disparaisse? Hey, si tu penses ça, tu me connais mal. Je dérange? Oh, non, j'avais fini. Ouais? Je suis ici pour couper dans l'œuf l'herbe qui pourrait goûter méchant. L'herbe sous le pied, je veux dire. Elle veut pas. Hey, c'est ma vie, c'est mon chum, je le ferai quand je serai prête. Vous êtes pas simple, les filles. Ce qui est pas simple, là, c'est que son père a vendu ma peinture. Hey, tu le mets juste pour ça? Non, c'est pas la peinture comme le geste, là. Mais si Francis, il tient tant que ça à moi, là, il y a juste à faire attention. Tu sais que c'est de ma faute. Mais je veux dire, de la faute à Louise aussi, puis à Momo. Non, ça n'a pas rapport, là. Pas en tout. Il aurait dû m'empêcher de sortir avec toi. Mais là, même pas 2 mois. J'allais pas bien. Là, à cette heure, j'ai honte. Mais le coudonc, je suis si laide que ça. Elle arrête, là, tu sais comment t'es belle. Trop belle, presque. Là, ça t'enlève rien, toi? Pas pantoute, hein. Quand on est ensemble, là, je te dis, personne me regarde. Mais là, t'exagères pas, surtout. Hey, toi, là, tu sais pas ce que c'est d'être deuxième tout le temps. Je comprends, Annabelle, de vouloir se marier. Quand Moulerou a dit ça, là, ça devait être le plus beau jour de sa vie. Ouais. Quand t'es la première dans le cœur de quelqu'un, c'est le plus beau jour de ta vie. Ah, c'est vrai. Mais vous devez me comprendre d'abord. Moi, pour Francis, là, je suis troisième. Avant, il y a sa mère. Après ça, il y a son père. Il l'avoue pas, là, mais c'est de même. Je m'en vais dans la douche. Elle là, parle, dis quelque chose. Elle va se défâcher. Non, elle se défâchera pas. Mais là, toi, l'intelligente prodigieuse, tu trouves ça bien brillant d'avoir fait ça? Non. Mais il y avait de l'air tellement amical puis tellement déboussolé. Expliquez-lui la situation. Non, elle ne l'a pas compris. Je sais que Véronique est super jalouse, mais... Mais toi, tu sors avec son chum candidement comme une petite figue sans malice aucune. Non! Je veux dire, oui, mais il n'y en avait pas de malice. OK, finissez si vous voulez. Moi, je pars. Je pars. Regarde, je le rattrape. Mm. Hey, elle exagère, là. C'est mon problème, c'est pas le sien. C'est pas ça? Ben, dis-moi ce que c'est, parce que je suis blonde. T'es surtout pas obligé d'alimenter le préjugé, Titina. C'est pas nécessaire. Quoi encore? Je ne vais pas sur les sites de rencontres. Hmm? Philippe Lacroix dit ça à tout le monde. Je sais pas ce qu'il y a, cet homme-là, là, mais c'est un vrai obsédé. Un obsédé. Un obsédé? Oui. Il t'harcèle? En quelque sorte, oui. Je vais demander à Hugo de le renvoyer. Non! On veut pas de ça dans l'école. Peut-être que un simple avertissement suffirait. Un avertissement? Oui. Du genre à éteindre son feu que ta fumée a allumé. Oh. Tu connais la règle des 4C? Quelle règle des 4C? Avec les femmes. J'ai jamais entendu parler de ça. 4C pour jamais se laisser dominer par les filles. Premier C, culpabilité. La partie consiste à jamais se laisser envahir par la culpabilité. Elles sont meilleures que nous au jeu des justifications. Alors, ça sert à rien d'essayer, t'assumes, la tête haute. Pour être plus forte, elles le sont, ça, y a pas de doute. Deuxième C, contrôle. L'amour, c'est une guerre de contrôle. Donne-lui l'impression que c'est elle qui contrôle tout, en lui laissant contrôler tout ce qui est sans importance. Les relations, les règles, l'argent. Toi, contrôle l'information. Le nerf de la guerre, c'est l'information. Laisse jamais filtrer un secret, une fausseté, ou pire, une mauvaise nouvelle, sans avoir toi-même préparé la révélation. Ouais, je vais essayer de me rappeler, merci. Puis les autres C, c'est quoi? Troisième C, curiosité. Les femmes sont des têtes chercheuses. Plus tu vas titiller leur curiosité, plus tu vas avoir des questions. Fais jamais ça. À moins d'être dans l'intense période où tu prépares l'attaque sur le quatrième C. Qui est? Le cul. Prépare les 3 premiers C comme un fin stratège, puis le 4e va tomber de l'arbre comme un fruit mûr. Débriefing. Est-ce qu'on a les détails de la rencontre? J'ai tout ça, mais avez-vous des objections à ce que Pierre-Paul assiste? À quel titre? C'est confidentiel. Quand même pas tant que ça. Les élèves évalués par Cathy. On veut pas de nom, là. On veut savoir s'il y a des cas avec un potentiel de violence. Oui, il y en a, mais minute. Tu sais, je suis pas contre qu'est-ce que tu dis, hein. Quand c'est confidentiel. Puis dans ce temps-là, on partage les informations avec les professionnels concernés. Mm. Auquel cas, Pierre-Paul pourrait sortir. Puis toi aussi. Je suis pleinement d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, si je sens que ça me concerne pas, je sortirai de moi-même. Oh, j'exige pas ta vigilance, je te le dirai. On a 6 cas. 6 cas parmi tous ceux qu'on a évalués qui auraient pu écrire la fameuse phrase. Est-ce que ça inclut ceux qui ont déjà été investigués? Annabelle aurait jamais fait ça. Moi, je la crois. Par
Parce qu'éducation, ils disent de parler avec son cœur, là. C'est ça que je fais. C'est pas elle. Mais avec ton cœur, mais avec ta tête aussi, là. Annabelle, on s'en occupe à la maison. C'est pas moi qui ai nommé le nom, hein? Vous l'admettez? Ces six personnes-là, est-ce que vous les avez en observation comme c'est prévu dans le plan? De très près. Oui. Tant du niveau scolaire que de rééducation, psycho, sexo, infirmière. Éducation physique aussi, hein? Il y en a qui faisaient le groupe juste pour pas doubler, là. L'entraînement. Ah, oh, ouais, ça marche-tu? Regarde, laisse-moi tranquille. Je te promets, ça se reproduira plus. Plus jamais, comme la pluie. Veux-tu que j'aille parler à Véro? Bon, pas bon? Oh non, pas bon. Je vais y parler, moi, à Véro, hein? Un petit peu. Les mains dans le dos, promis. Je vais dire à Stéphane qu'on veut rien savoir de lui. Non. Arrête, là. Non, regarde, t'en as fait suffisamment, là. Fais rien. Efface-toi, OK? Disparais. Disparais, c'est un peu rough, ça. Hey! Ah, oh, t'es malade! Je te cherchais partout, t'étais où? Là, Philippe, c'est pas le moment, c'est vraiment pas le moment. Mais t'as des problèmes dans ta vie? Oh, c'est pas de tes affaires. C'est moi? Non, le monde se résume pas à ta petite personne. Tu sais-tu quoi? Rosemarie Léger va sur des sites de rencontres. C'est même pas vrai. Oui, ça s'appelle tentation.ca, non. Je l'ai vu. Rosemarie est super en amour. Peut-être, mais peut-être que c'est juste pour voir. En tout cas, elle était pas trop fière quand elle a vu que je l'avais vue. T'as pas d'autre chose à faire que d'enquiquiner tout le monde? J'en quiquine pas, c'est par hasard. Si tu continues comme ça, là, tu feras pas vieux os ici. Hey! T'as pas le goût de faire une bonne action au moins une fois dans ta vie? Une bonne action, n'importe quand. Bon, ben appelle donc ton ex pour qu'elle donne des nouvelles à ton fils. Hey, ça se peut pas être sans cœur comme ça. Elle vient à Montréal, elle donne rendez-vous, puis elle se présente même pas. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça que tu sais que mon ex est en ville? Flouille. J'ai pris moi-même la décision de poursuivre le projet. Oui, ça va fonctionner. Puis si en plus on sert du sport pour contre-violence, c'est encore mieux. Est-ce que je peux? Je veux pas empêcher personne de fêter, là, mais ce que je comprends, c'est qu'on a toujours rien de concret. C'est ce que je comprends, moi aussi. Non, mais c'est long. On manque d'indices. Ouais, effectivement. Ce qu'on a, c'est un graffiti d'une toilette. Ce que vous souhaiteriez, au fond, c'est une récidive pour vous aider à trouver qui c'est. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Ben, je trouve la question est bonne. Merci. Hâte de voir ce que tu vas répondre. Non, c'est pas ce qu'on souhaite parce qu'on a une petite idée, c'est qui. Ah oui? Comment ça? Même lui, il sait pas, là. C'est entre moi et Cathy. Pour la suite, je vais sortir, c'est mieux. Okay. Bon, ben, si tu me cherches, je vais être à café. Tu y arrivais? Salut. Je peux pas le dire, je peux pas. Mais tout est sous contrôle. Tu l'as-tu dit? T'es-tu malade? Faut pas jamais. C'est comme si je le savais même pas. On se mêle pas de ça, puis on sait pas c'est qui. Non, non. Qui cherche, c'est leur job. Ben, fais pour Momo, comment tu te dis? Mais non, c'est bien le contraire, là, gars. J'ai super confiance en lui, puis il va le trouver tout seul. Pas la chienne, toi. Oui, mais on sait quoi faire. Quand on le voit, mais on se pose de lui. Pas facile dans la classe. On y parle pas, on fait semblant de rien. On va sentir pas le reject. Ils disent, là, que c'est les rejects qui font ça dans les écoles. Regarde, l'important, là, c'est de surveiller comme du monde. Si toi, tu vois quelque chose de pas correct, ben, tu te poses de lui. Puis les autres? Quoi, les autres? Faut leur dire pour pas même qu'ils se fassent faire mal. Pire, merde, mourir. Non, faut pas leur dire. Hey, si la panique pogne, là, ça peut être pire. On se cache en premier, puis après ça, on ira voir le Dick, Momo, n'importe qui. Moi, j'ai de la misère avec ça. On devrait le dire. Non, après ça, ça va se savoir, puis lui, il va nous haïr. Tu dis rien. Ah, shit, pas elle. Tia, tout est réglé. T'as ta vraie note, 78. Hein, comment ça? Mais le directeur s'en est chargé. Sac, pas vrai? Oui, oui. Je te demande pardon. J'ai été un peu raide avec toi. J'ai eu tort. Pardon. Et Sharp? Elle a dû se faire planter par le Dick. Tu fermes ta gueule. C'est-tu clair? Mm-hmm. Il est plus que temps. Plus que temps. Si on la laisse toute seule avec Titine, elle va devenir folle. Ça, c'est une certitude. Hein? Il faut faire quelque chose. As-tu entendu parler du site tentation.ca? Non, c'est quoi ça? Tu sais, le site de Martine, là, le site... Ouais, ce site-là. Tu sais, si on cherchait pour elle, on met une photo, une description, puis on attend. T'es sûr? Oui. On n'est pas obligé de lui dire tout de suite, là. On fera la sélection pour elle. Oh, je sais pas. Ah oui, oui. Fait qu'on pourrait mettre le soccer le samedi matin, puis le voler le jeudi soir, finalement. Pas bête, c'est pas bête. Ben, hein? Oui. Qu'est-ce que vous avez, là? Ah, c'est moi, là. Laissez faire. J'ai pas la première période. T'es bloc de venir me voir. Ça me fait du bien. T'as l'air bien? Oui, oh, mais je peux pas bouger beaucoup, hein?
C'est un petit peu bizarre. Ah, c'est sûr, là. Toi qui arrêtais jamais, là. Mais ça... Je sais pas si c'est les hormones, mais... Je me sens le cœur qui roule dans l'eau. Ah, t'es pas heureuse? Mais non, c'est pas ça. Tout est parfait. Je sais pas. C'est... comme si tout était trop parfait. J'ai une peur du maudit que ça arrête. C'est normal. Tu penses? Oui, avec tout ce que t'as traversé, t'es juste pas habitué au bonheur. Faisons pas, ça vient vite. J'ai l'air fou là, de me plaindre que tout aille bien. J'ai un petit peu honte. Ah non, non, les filles, regarde, c'est super. Mon mot, c'est un amour. Pierre-Paul, Tibi. J'en parle même pas, il a tellement changé, je le reconnais plus. Ça, c'est à cause d'Amélie. C'est Amélie qui fait ça d'en haut. Je veux pas te faire de peine, là, mais il y a rien en haut, ni en bas d'ailleurs. Si ça va mieux dans ta vie, c'est grâce à toi. C'est parce que t'es une bonne personne, Pouliotte. T'es une femme exceptionnelle. J'ai peur. J'ai toujours mieux réussi avec les enfants des autres que avec les miens. J'ai une peur du maudit que d'un coup, je mets un autre petit gay au monde. Un Stéphane ou bien un Eric. Ce coup-là, je passerai pas à travers. Hein? Je pourrais pas. Mm-hmm.